C'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé de sauter. Hein. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. On pourrait sortir ici. Bah, Manik, tu me bloques. En plus, tu m'aveugles. Et voilà les habitants du coin. Oh, ils sont dans des cages. À Moscou, tu trouves pas? 8000 km plus loin, et nous revoilà devant un charnier. Je me demande si on peut considérer comme des espions là-dessus. Je sais pas, mais c'est dégueulasse. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Lieutenant-colonel Klegnikov, commandant du groupe de riposte rapide de l'OSCOM. Par la présente, vous avez l'ordre de livrer les émeutiers capturés au service spécial et de partir immédiatement établir des positions défensives à la station de Siberkaya. Lieutenant-général Vinogradov, directeur de l'OSCOM. C'est des émeutiers, et ben. Quand même, ils ont pourri ici, quoi. Ces gens sont morts il y a un an maintenant. Il pourrait y avoir encore des survivants. Comment tu sais au moins un an? Ah, à cause de la décomposition. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ça ressemble pas du tout à une guerre. Comme t'as rien. T'as eu de la veine, comme toujours. Ici, on n'est pas dans notre métro. On n'aura personne pour nous aider en cas de pépin. Si tu te casses une jambe, tu rentres à l'aura tout seul et en rentrant. Moi, j'y retourne pas sans remettre. Merci, papa. Beau papa. Tourne les pieds. On a assez perdu de temps comme ça. Ça mène au tunnel. De tension, papy, hein. De tension pour monter un tunnel. Un escalier. C'est pour ça qu'il faut. Regarde-moi cette poussière. Tu vas voir, c'est solide. Allons-y. Genre, on marche avec ça éclate dans tous les sens. Merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On arrive aux abords d'une station. Attends, je vais nous éclairer. Mais t'inquiète, ma lampe, elle faisait très bien. Après tout, c'était la guerre. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Un Panzer. Ils se sont défendus avec ses wagonnets blindés. Et comme ils tenaient plus, ils ont fait sauter le tunnel. Les renforts sont jamais arrivés. Allons à la station. On trouvera peut-être quelque chose là-bas. Notre vieille commune Bouchka. C'était un véritable siège ici. Les défenseurs protégeaient l'entrée de la station. Il y avait pas mal de survivants ici, jusqu'à ce qu'ils s'entretuent, finalement. On dirait que le mensonge a été utile à Moscou. Je me demande ce qui est mieux, une vie basée sur le mensonge ou une mort due à la vérité. Quoi? Je me sens bizarre.
C'est horrible. Faut juste éviter de leur marcher dessus, quoi. Regarde-moi tous ces morts. C'est ici que les combats se sont terminés. Regarde cette porte. Elle devrait conduire à... C'est un truc de ouf, tous les cadavres. Attends, attends, j'ai plus de balles. Tiens, dans ta tête. Attends, Melnik, parce que là... Donne-moi un coup de main, Artyom. T'inquiète, t'inquiète, c'est ce que j'allais faire, mais... Ouah, c'est dur. Je dois remettre le masque ou pas, Melnik? T'as remis le masque toi? Non, t'as pas remis le masque? Si j'ai bien suivi, on est à Sibirskaya, une station de correspondance. Ils ont même pas eu. Froid. Ils ont même pas pu s'en aller. C'est chaud, hein. Bon, par contre, Papa Melnik, il monte pas très vite les escaliers. Ah, attends, il y a quelque chose là. Ah non, il est... Bon, ok. Wow! J'ai même pas eu le temps de finir de vérifier la pièce et tout, de regarder ce qu'il y avait. Ah, c'est tout fermé. Putain, même ici, ils auraient pu créer un avant-poste. L'air est respirable. Oh! Oh. T'as pas besoin de me demander, hein, c'est ce que je fais à chaque fois, hein.
Ah ouais, ça m'intéresse. Commandant du groupe d'un, au cours de l'interrogatoire, les prisonniers ont indiqué que leur participation aux émeutes était essentiellement motivée par une insatisfaction globale quant à leur économie, situation économique et sociale. Situation, on trime comme des cons dans ces tunnels contaminés alors que vous autres, vous menez la vie là-dessous. Ça fait 10 ans que j'ai pas mangé de viande à ma faim alors que c'est moi qui élève les porcs. On a une dose de ridicule, de trucs verts par mois, autant dire rien, et vous en remplissez des sacs entiers. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase et les a poussés à rejoindre les émeutes a été, d'après le chef du groupe, une supposée conspiration de la part des dirigeants de l'OSCOM. Alors vous croyez que parce qu'on démantèle des voitures au milieu de nulle part, on est au courant de rien? Ben vous vous fourrez le doigt dans l'œil, on sait tout, les huiles du comité, la direction, hein, fuir la ville comme des rats qu'ils sont alors qu'ils récupéraient tout le truc vert. C'est pas vrai peut-être? Après l'interrogatoire, les émeutiers étant indéniablement coupables de sabotage ont été remis au service PN. En gros, ils allaient se barrer comme des. Eux tout seuls en fait. Ils allaient pas donner le truc vert aux habitants. Hein. Ils ont voulu faire les enfoirés en fait. On m'a dit que c'est pas que je m'ennuie un petit peu. Ah, je veux juste ouvrir. Qu'est-ce que t'as fait? David, plus tard, je suis là et c'est maintenant que tu me dis que. Comment ils arrivent pas à rattraper un petit comme ça? Un orphelin, c'est quoi? Putain, où est-ce? Dans le casier. Arrête de te cacher, on fera aucun mal. T'as rien à craindre, on veut seulement te parler.
Dans les tunnels, non? Où est-ce qu'il serait faufilé? Bon. On va mettre un peu de la lumière. Non mais... Oh putain, je fais que des conneries moi. Range la... Voilà. Oh, je suis bloqué. Putain! Oh putain, ça me casse les noix. Oh, de tension là. Putain, je vois rien. Là? Non. Sors de là, petit. Arrête de te cacher, on se prend au canal. Ah. Non, sors de l'argent. Stop. Tu crois aller où comme ça? Ah, quand même. Pourquoi tu t'enfuis? Allez, parle, soldat. Identification. Soldat, Kirill Klebnikov. Ostom, unité de riposte rapide. Et c'est tout ce que vous obtiendrez de moi. Alors autant me tuer tout de suite. Il est passé où le gamin? Très bien, soldat. On veut faire de mal à personne. Emmène-nous voir ton officier supérieur. Comment ça, vous voulez faire de mal à personne? Je suis de l'Ostom. Vous êtes pas avec eux? Eux? Je sais pas de qui tu parles, mais si tu des enfants. On est sûrement pas de leur côté. Conduis-nous à ton commandant. Pourquoi vous voulez le voir? On a une mission de première importance. Les détails ne peuvent être divulgués à un subalterne, seulement à de hauts gradés. Tu n'as qu'à nous conduire à eux. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. D'accord. Aucune entourloupe. C'est promis. La station est tout près. Ah, ils ont du bétail ici, du bétail. Laquelle? C'est Prospect, bien sûr. Plus qu'une station avant l'institut. On approche, Artyom. Attendez. La voie est libre. Allez. Attendez. Vous approchez. Mais pourquoi vous avez besoin de l'institut? Tu lâches rien. On est en mission. Mais c'est tout ce que je peux dire. En mission à l'institut? Mais il reste plus de trucs verts là-bas. Trucs verts? C'est quoi ça? Ah non, on est au courant de rien, gamin. Attendez, mais de quelle station vous venez? On vient de Moscou, gamin. Artyom est de VDNKH et moi de police. Hein? C'est où? C'est à Moscou, soldat. Attendez! Merde! Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît! Allez! Wow! Ouais, ça dégage! Oups. Et cherchez votre raclée. Un truc qui... Ah. Appelez-vous. A plus de balles.
Je récupère des balles. Ah bah attends, faut que je recharge, j'ai plus de cartouches. Allez, ça dégage. Attends, mais Nick, monsieur, tu brûles tout comme ça? C'est bon, c'est fini. Soldat Klebnikov, tu peux sortir. Hé hey, où t'es passé? Il a filé. Comment vas-tu pouvoir le trouver? On n'aurait jamais pu quitter des deux. Bah, c'est piqué quelques mutants. Vous venez vraiment de Moscou? Oui, je suis le colonel Melnik. Je dirige un détachement spécial. Artyom en fait partie. On est venu de Moscou en train. Wow, c'est génial. Attends une seconde, je vais ouvrir la porte. Ouais, tu nous aveugles avec ta lumière là. Wow. Partie des émeutiers. Il y a eu une guerre ici, vous voyez. On a remarqué, oui. Et on sait pas comment et pourquoi ça s'est fait. Putain, il y a une flèche ici. Ah, c'est la flèche que j'ai tirée tout à l'heure. Ah, ils sont prospères. Ils survivent, quoi. C'est plutôt douillet chez toi. Ils sont où tous les autres? Papa est en mission et il n'y a personne d'autre. Pas depuis la guerre en tout cas. Oh. Alors la ville a pu survivre à la guerre nucléaire, mais pas à la guerre civile. Ça fait combien de temps que vous êtes seuls tous les deux? Presque un an. On a eu de la chance. On avait toute une boîte de trucs verts. Comme les riches. Une seconde, Artyom, une carte satellite. C'est la vallée où tu t'es perdu avec Alyosha. Où est-ce que t'as trouvé ça, soldat? Les stalkers l'ont rapporté du centre de communication satellite il y a longtemps. Alors ton père est en mission. Quand est-ce qu'il revient? Je sais pas. Depuis combien de temps il est parti? Un mois. Mais ça fait 3 semaines qu'il est injoignable. Je vois. Tu sais où il est parti? C'était quoi sa mission? Il est allé au centre de communication. On devait quitter la ville au printemps. Il est parti chercher la carte des bombardements en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain. Compris. On va t'aider. Soldat, il faut qu'on t'emprunte ta radio. On contacte l'Aurora, Artyom. Je vais récupérer cette carte. Il faut les prévenir. Aurora, vous me recevez? Ici Melnik. Colonel, toujours 65 sur ça. Klebnikov. Changement de programme. On a trouvé les survivants. Ils disent que le centre de communication satellite existe encore. Je vais là-bas chercher la carte. Artyom s'occupe de l'institut. Bien sûr, colonel. Comment va Anna? Elle dort. Essayez de faire vite. Katia dit qu'Anna risque d'avoir une nouvelle crise très bientôt. Et elle est bien contente. Répondez, Aurora. Terminé. Vous me recevez, Aurora? Terminé. Merde! J'ai encore des parasites. Artyom, si son père a vraiment trouvé un endroit sain, ce serait une chance pour Anna, pour les gars, pour nous tous. Une chance de vivre notre vie.
Ouais. Alors je t'aveugle. Je t'aveugle avec mon truc. On peut pas sortir sans antirade. Il nous en reste trois. On va pas les garder pour quand on quittera la ville. Parfait. Merci. Artyom, équipe-toi en attendant. Bah ouais, je veux bien, mais un gros sac à dos. Au fait, tu peux prendre mon railgun si tu veux. Il te sera peut-être utile là où tu vas. Ok, pas de soucis, je vais faire ça. Ouais, oh. Oh oh. Ah. Faux espoir. Faux espoir, moi qui voulais tant faire ça. Bon, voyons voir tout ça. Non, cet endroit ne va pas. Là, peut... Bon, alors, on va créer des soins. Voilà, quelques filtres en état, comme tu viens de me le demander. Hop. Le comité a envoyé des soldats et la guerre a éclaté. Après, il y en a qui sont morts au combat. Ah ouais, mais je peux pas. Ah, je sais ce que je vais faire. J'avais plus assez de monde pour garder les entrées, alors les mutants ont réussi à passer partout. Bah, je suis vraiment navré. Oh, ça va, vous en faites pas. Oh. C'est une carte postale. Voilà, voilà, maintenant que j'ai le ticard. Crosse lourde. Ensuite, vous traversez la station et vous prenez le tunnel de droite. Merde. C'est tout bon. Et vous faites une... Le système. Merci. Bon, Raigun. Réflexe. Ou 12 capsules. Oh voilà, j'ai fait le Raigun. Ça du coup, bah voilà, et ça voilà. Fabriquer des munitions. Ça, il y en a pas besoin. Ça c'est bon. Des petites billes. Mais c'est quoi les capsules? Capsule. Ok, c'est bon, hop, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pris le railgun. Ah, par contre, ouais. Hop, non. Ah oui, les capsules explosives. Yes. T'es prêt? Ouais. Bonne chance. Oublie pas ce qu'on fait là. La vie de ma fille, de ta femme, est entre tes mains désormais. Maintenant, vas-y. Merci, beau papa Melnik. J'aimerais bien aller. Allez, avance. Chelou. Ah, j'avais l'impression de monter en fait, pas du tout. On va prendre le fusil à pompe. Moi j'aime bien le fusil à pompe. Oh, ça y est, je suis reparti tout seul dans les entrailles du métro. Il y a plein de petites drésines là. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ils m'aveuglent avec leur truc. Par contre, je sais pas si je suis au max de ma... Je me disais aussi que j'étais pas au max. J'étais pas au max. Ah, je pensais que je pouvais ouvrir. Bon, allez, c'est parti. Commençons notre aventure solo. Et bien sûr qu'il y a des monstres.
calme. Allez, ça dégage. Wow, tu sors d'où tout de suite? Allez, ça dégage. Ça aussi. Faire déglinguer par derrière. Non. Ok, c'est good. Oh, very good. Yes, 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 yes. Ok. Ah ouais, lui, il a pris... Il est mort dans sa douche. Bon. Allez, chemin de la dé... Je peux pas fumer? Ça doit être le passage principal, ça. En fait, il y a tellement de passages partout. De trucs à découvrir. Non, il y a rien à... Il y a rien à prendre. Je suis déçu. Je suis très, très, très déçu. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. Un peu de lumière. Ok, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, c'est la cantoche. Il n'y a rien ici aussi. Pourquoi je serais venu ici s'il n'y a rien? Mon squelette est bizarre. Il reste un monstre et j'arrive pas à le tuer. J'ai envie de descendre, en même temps j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut. C'est sûr que le gros monstre il va me faire peur, tu vas voir. Hop, un petit peu de lumière. Oh! Ah, vide. J'ai envie de passer en bas, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en bas. Ils m'ont fait peur. Ouah, ils ont été carbonisés. Je vais passer. J'ai envie d'aller voir en bas comment c'est. Il y a des flingues, donc est-ce que ça a été une armurerie? S'il y a des trucs à... Qu'est-ce qui s'est passé, je vais faire? Il y a des trucs à récupérer. Voilà, des petits trucs à récupérer. Toujours des petits trucs à... J'ai bien fait de descendre. J'ai bien fait. Toujours des petits trucs comme ça à récupérer. Et je peux pas passer par là. Hé hé, oui. J'ai bien fait de revenir en arrière, récupérer munitions et autres billes d'acier. Parce que j'en aurai peut-être bien besoin plus tard. Et là, j'ai pas le choix de me faire aveugler. Bon, fusil à pompe oblige. Les bâtards, ils m'ont fait tomber dans le trou. Thank you.
suis Keblo. Dégage. Fais-moi tranquille. Bordel. Ça dégage, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était chaud patate. Mais qui est, pourquoi tu veux pas. Ah d'accord. Il fallait que je fasse tournoyer mon joystick. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir tout ce qu'il y avait à voir. Par du champipi. Il y a rien de rien ici. Ils ont vraiment fait brûler toute la station, quoi. C'est chaud.